Coucou tout le monde, c'est Drone encore une fois pour un nouveau LP. Là, normalement, c'est la semaine LP. Je sais pas si cet épisode vous allez le voir pendant la semaine LP, mais c'est pas trop grave. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement, il y a tout qui est fermé, donc comparé à hier, je crois. Ouais, hier ou avant-hier, je sais pas. On verra. Où rien n'était fermé, là tout est fermé. Mais aussi, vous voyez que ça a été changé. Avant, c'était de la stone brick slab. Là, c'est de la stone slab. Je trouve ça plus beau. Je viens de faire ça là, vite fait en speed aussi. Vous voyez, j'ai fait un petit passage de là jusqu'à ici. Au moins, on a ça de fait. Et j'ai fait un passage jusqu'au truc à chevaux. Et j'ai continué là-bas. Jusque là-bas où vous voyez. Jusqu'aux deux usines qui sont en train de tourner. Comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je voulais pas faire ça. Je voulais plus particulièrement soit. Bah déjà on va commencer par faire ça. Mais je voulais faire un. Je voulais faire soit de l'hardstone, je sais pas si je vais faire de l'hardstone ou si je vais faire. Oh, il y a une araignée là-dedans. Non. Ah non. Bon, voilà. Ah non. Oh non, t'es parti là-dedans. C'était de bloc. Tic, tic, hop, hop. Voilà. Tiens, ça, de temps en temps, faudrait que je le mette sur pause parce que sinon j'ai pété un plomb. Mais aujourd'hui, je voulais soit commencer une usine, soit commencer une usine ou soit commencer un comment ça s'appelle? Un gros projet qui risque de me prendre énormément de temps, mais enfin non, c'est pour l'épisode 50, donc je peux pas le faire là, mais je le ferai, vous inquiétez pas, bah, pour l'épisode 50 quoi. Donc pour l'épisode 50, vous aurez ça, mais aussi vous aurez sûrement, enfin, ce sera une bonne surprise, je pense. Enfin, en tout cas, je pense. Après, c'est pas moi qui décide. Je connais pas. Enfin, je sais pas si vous avez bien aimé ou pas. Moi, perso, j'ai hâte de le faire. Donc, voilà. Bon. Maintenant, on va commencer, ce mur-là qui protège et qui fait un peu plus de beauté au paysage quand même, parce que voilà, c'est vraiment moche une usine comme ça. Donc bah du coup je préfère la mettre comme ça. Donc bah je vais faire ça en speed, enfin pas en speed, en hors caméra, et je reviens tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, bah me revoilà avec la façade du truc. Donc si vous voulez voir, voilà, ça donne à peu près ça. Vous voyez que j'ai pas bouché par au-dessus parce que je trouvais ça inutile. Ça peut pas spawn dans tous les cas, donc ça a rien de boucher par au-dessus. Par contre, ça, on va s'empresser de l'enlever avec ça, tiens. Parce que ça, c'est inutile par contre. Par contre, les 30 FPS, ça, c'est inutile. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a fait déjà pas mal de déco. Hein. Pour tout vous dire, parce que moi, perso, ça fait un... Oh putain, ça fait un... Ils viennent de loin. Est-ce qu'il va se focus sur moi, tu penses? Non. Ah non. Bon, bah, je te tue. Hein. Je suis désolé. Oui, donc j'avais un autre petit système à faire. Je pense que je vais faire un petit système aujourd'hui.
Tout simple. Je pense que déjà je vais le faire hors caméra. Et puis que bah par la suite je vais vous le montrer. Par contre, ouais, les zombies, vous venez de trop loin. Je commence à en avoir marre. Ici, on va claquer une torche. Oui, donc bah je vais faire ça. C'est à propos du trieur d'items. Donc on va se faire ça. Je vous fais ça en. Ouais, bah je vous fais ça et puis bah après je vous l'explique le système. Ça sera plus simple. Ouais, allez. À tout de suite. Bon, bah me revoilà quelques temps après, même pas mal de temps après. Oh bah toi. Oh merde, j'ai plus d'épée. Épée, épée, épée. Bon. Je crois que c'était celle-là. Hop, toutes les bannes aux photopodes, faudra que je les jette. Hein. Donc aujourd'hui, on aura fait déjà deux trucs en moins de 5 minutes, ce que je viens de voir. Faire moins de 5 minutes que je like. Et oh. Attendez. Moins de 5 minutes que je like. Et en fait. Attendez. Je vais switcher d'écran. Voilà. Moins de 5 minutes que je rec. Et en fait, on aura fait que ça. Et le système. Donc là, je vais faire le. Enfin, je vais vous présenter un peu le système. Avec bah, ça que je viens de faire là. Ça, je l'ai fait avec cette petite ouverture qui met un peu de relief au truc. Et puis voilà. En fait, c'était juste pour ça. Mais sinon, voilà. Bah les routes je les avais fait avant etc donc bon voilà mais le système est tout simple mais vraiment très très simple hein. Il y a pas plus simple en fait c'est un truc de débutant que j'ai fait de débutant en redstone hein, je parle donc en fait là t'as le circuit qui part pour la pioche et la hache. La axe et la pickaxe. Donc en fait, t'as le truc qui part là de la pickaxe, on va dire. Donc là, t'as deux circuits qui se séparent. Deux circuits alimentés par une torche qui éteint cette torche. Ici, je crois, c'est le système pour les diamants. Donc en fait, ça fait une boucle. Donc le truc se répète. Enfin, le circuit, enfin l'énergie se répète. Là, c'est la même chose, il se répète encore une fois, mais moins pour que juste y ait que deux. Oui. Alors pour qu'il y ait trois diamants et deux sticky. Donc c'est à peu près la même partout. Et si on a la même chose avec un plus long circuit pour éviter que ça aille avec celui-là. Donc de la pickaxe et la axe si vous préférez. Donc là c'est exactement la même chose sauf que bah, c'est pour une pioche, une pelle. Donc c'est deux sticks et un diamant. Donc en fait on a le circuit là qui passe là et qui arrive directement ici quoi. Et le circuit de l'épée, désolé, de la sword si vous préférez, qui arrive là. En fait là il y a deux sorties. Donc une sortie ici où on voit qu'il y a une torche qui s'éteint. Attendez. Oh merde. Attendez. Hop. Non, bon. Bon ben je vais passer par là. Alors, donc ici on a le circuit qui se répète deux fois pour les diamants et une fois
pronostics, donc c'est même pas un truc qui se répète, hein, c'est un truc tout simple et voilà. Donc pour qu'il se répète deux fois, il suffit de mettre à deux tics le répéteur et à trois tics pour le répéter trois fois. Donc ouais voilà, c'est tout aussi bête que ça. Et donc pour vous montrer, attendez, déjà je vais changer ça. Bon, ceux-là je peux les jeter. Ouais, peut-être pas. Ça oui je vais le jeter, mais ça non. Ça oui, les banophotropodes. Bon pff, allez je les jette hein, parce que de toute façon ils vont me servir à rien. Ching 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 ching. Voilà. Alors on va mettre une épée, un diamant c'est fait. Et une pelle. Faut que j'aille en rechercher, tiens. Au pire, attendez, je vais les crafter avec ce que j'ai. Ching. Donc ça, c'est la pioche. Normalement, ça devrait pas bugger. Ça buguait pas en hors caméra. Si ça bug en caméra, je pète un câble. Les diamants, un peu plus longs. Et les trois, parfait. Là au-dessus, j'ai mis des tables de craft pour éviter qu'on se déplace pour. Hop. Et ici, c'est la pelle qui m'aura mis aussi pas mal d'inconvénients, hein, qui m'aura pas mal mis en difficulté. Ah non, c'est bon, ça m'a pas mis en difficulté. Je croyais que ça allait recommencer. J'ai fait un peu trop de table de craft, tiens. Bon. Bon, ben là, en fait, on n'aura pas fait. Enfin, je vous aurais pas présenté grand-chose dans cet épisode au final. Je pense que quand même, je vais faire autre chose juste pour vous. Je sais pas encore. Ça, je peux l'enlever, ça aussi. Parce que, attends, là, mes coffres, ils sont blindés. Je sais pas encore ce que je vais faire. Ah, bah, attendez que je réfléchisse un peu, et puis, bah, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et donc, c'est bon, j'ai trouvé quoi faire, donc, il y a pas longtemps, d'ici là, deux épisodes, un truc comme ça. Je vous ai parlé d'exploiter le double spawner. Donc, je vais exploiter les doubles spawners maintenant. Donc, du coup, ça, au moins, ça sera fait aussi. Par contre, les doubles spawners, je sais plus où ils étaient. Donc, faut que je les retrouve. Ah là, voilà. Hop, normalement, on peut sauter, hein, je crois. Parce que c'est vraiment haut. Bien. Oh, mais ça va. C'était pas si haut que ça. Et le deuxième, il était. Mais attendez. Au pire, je vais le chercher. J'ai le dossier LP juste à côté de moi. Oh merde. Je l'avais pas stoppé, ce spawner. Donc, là j'ai laissé l'espace maximum pour que ça spawn bien. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté et puis je pense qu'on va les rejoindre plus ouais non pas trop loin des deux parce que déjà qu'ils sont pas mal éloignés. Je vais essayer de retrouver le deuxième. Donc on va faire non pas besoin de F3. On n'est pas un très loin. Attendez, il faut que je le retrouve. Bon, attendez, je vais le chercher et je reviens. Me revoilà. Attendez, parce que je viens de reload la map. Et donc, là, j'ai le premier spawner à speeder. Attendez, on va essayer de le. Attendez, parce que. Squelette, speeder spawn. J'en ai déjà un là. Voyez, il est juste là et à quelques mètres, même pas. Il est juste ici l'autre. Donc, faudra mettre juste les deux à la même hauteur.
Speeder 2. Voilà. Faudra juste mettre les deux à la même hauteur. Ce que je vais sûrement faire maintenant. Oh putain, il y a des zombies qui viennent. Ils viennent de 80 blocs maintenant, hein. Ce n'est pas plus. Donc, par contre, oui, j'ai creusé un peu trop loin parce qu'en fait, j'avais pas vu ici avant. Il y avait une grande arche et tout. Enfin, une grande arche entre guillemets, mais un grand truc qui empêchait à ce qu'on le voit. Alors, on va déjà commencer par enlever toute cette toile d'araignée qui me gêne. Comme ça, on peut enlever les araignées du spawn de tour à mob. Parce que c'est vraiment chiant, quoi. C'est ça qui m'embête le plus dans la tour à mob. C'est qu'il faut maintenant que je la remodifie pour trouver un truc qui va bien. Bon, là, cette fois, eux, on va les faire tomber de 3. De 3, parce que, en fait, faut que ça soit à la même hauteur de l'autre. Et en fait, faut les faire tomber de 2 pour que ça spawn un max. Et donc, là, vous voyez qu'il y a 2 blocs de... Ah ouais, donc... En fait, il faudrait que je les fasse même plus tomber que ça. Parce qu'attendez. Je vais check un truc. Si je les mets là, je vais me mettre là, vous savez quoi. Et je vais regarder... J'ai regardé jusque là-bas ce que ça va donner. Puis au pire après. On fera avec. Hein. Le but c'est que ça spawn à la même hauteur et puis qu'on arrive à trouver un. Ça va, on est plus si loin que ça. Y a un zombie qui me traque encore. C'est pas mal chiant ça les zombies. Maintenant qu'ils peuvent vous traquer. Donc là normalement on est juste au-dessus. Donc faudra les faire tomber juste de 4 blocs. Bon c'est énorme mais bon. C'est pas grave. Alors. Au pire, je les fais monter les autres. Ouais, ce que je vais faire, parce que là, honnêtement... Non, non, allez, on s'en fout. Donc, bah, je vais un peu vider la zone de 8 blocs. Enfin, de 4 là, et de 3 là. Donc, au total, ça fait 8. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut, c'est... Tout ce qu'il faut pour que ça spawn un max. Puis bah, on se retrouve tout de suite après. Oh, en fait, si je vais quand même monter. Je vais quand même remonter les autres pour qu'il y ait un maximum de spawn. Pour éviter les ennuis. Allez, on se retrouve tout de suite après. Oui! Donc cette fois c'est bon. Oh alors je suis désolé. Alors donc comme j'étais en train de dire oui c'est 8. 8 de ce côté-là et 8 de ce côté-là. Pour qu'il y ait un maximum de spawn. Et donc comme ça fait 8 sur 8. Et il y a un maximum de spawn. Donc là par exemple si j'enlève toutes les torches ça va spawn mais vraiment un max. Et en fait faudrait que je ramène les araignées par ici. En fait, les... Comment ça s'appelle? Les araignées des cavernes, en fait, ils font un truc du style... Attendez. Oh putain. Voilà. Ça, c'est réglé. Hop, j'ai failli faire un larry lafranc. Alors, ils font du 8, enfin non, du
En largeur, ils font 0,7. En longueur, ils font 0,7 aussi. Et en hauteur, ils font 0,5. Donc au final, on peut les faire passer que dans un bloc. Enfin, on peut les faire passer comme ça si on veut. Parce qu'ils passent là-dedans. Vu que là, il y a un bloc de. Vu qu'il y a un bloc. Et ils font même pas un bloc. Donc, voilà. Et ensuite, ça c'est leur hitbox, hein, si vous comprenez pas. Et là, c'est encore des speeders des cavernes. Oui. 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 Et donc, on va tous les rapatrier, je pense, plus vers ici. Comme ça, ils seront tous les deux en. Enfin, ils seront tous les deux à peu près à la même hauteur. Ah putain, c'est un peu dégueu ça. Et donc voilà. Donc bah du coup, je vais sûrement aller chercher des seaux d'eau. Quoique, je vais peut-être faire ce spawner avant. 2, 3. Ching, ching. Ouais, je vais faire spawner avant, je fais le seau d'eau et je fais le rapatriement. Allez, à tout de suite. Revoilà, quelques secondes après, j'ai juste posé une pancarte. J'ai un fait de spécial. Donc en fait. Ah ouais, ok. Donc en fait là ça va pas le faire parce que c'est à toi de tourner. Faut pas que ça soit à toi de tourner, que ça t'achemine directement au bon endroit. Hop, on va couper cette source. Hop, il faut que ça fasse ça. Hop, donc là, ching, parfait. Et donc là, on doit mettre ça. Hop. On va aller rechercher une source d'eau. Il m'en faudra une juste après. Désolé pour l'iPhone qui sonne. C'était pas voulu. Comme tous les messages que j'ai en vidéo. Donc là, il en faudra un de plus. Ching. Et là, normalement, c'est bon. Ouais, normalement, ouais. Voilà. Alors, et maintenant, on va faire... Ching. Ching. Et là, on va mettre un petit chemin qui va les amener ici. Et ça sera bon. Et ici, on va mettre l'usine en fonctionnalité, enfin en fonctionnement, désolé, pas en fonctionnalité. Donc là, les araignées de là-bas, ils peuvent venir. Maintenant, faut juste que je fasse cela. Bon, ceux-là, ils vont être très très simples à faire. Cela, ça va être juste un courant. Mais attends, je crois que je me suis un petit peu fail quand même. Voilà, donc ça c'est inutile. Ça, faut les mettre plus bas. Voilà. Et donc ça, faut encore le descendre. Parce que quand j'y pense, il y aura le. En fait, regardez. Ching. Là, ça va arriver ici. Puis le poil. Attendez, faut que je me refasse une double source. Enfin, une source infinie. Pour éviter de remonter à chaque fois là-bas. Hop, ici. Merde, pas ici. Ah! Allez, remonte. Remonte, voilà. C'est bien. Voilà, maintenant, ici, on va pouvoir fermer.
Ching, 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 ching. Et voilà. Bon, ici, je viens de enlever les torches un peu plus tard. Je les enleverai. Je sais pas comment, mais il faudra que je les enlève. On va se faire une source infinie. Pas ici. Ici, tiens. Ça devrait être bon. Hop. Voilà. Voilà, on a notre source infinie. On va pouvoir en refaire une. On a une double source infinie. Et voilà. Donc du coup là ça peut pas spawner normalement. Enfin, si je dis pas de bêtises, ça ne peut pas. Sauf si j'en dis. Et j'en dis. Donc il va falloir que j'éclaire un chouïa plus. Parce que là vous voyez ça ne spawn pas énormément, mais dès que j'ai enlevé toutes les torches, ça spawn au max. Ah mais je suis con. Parce que si je voulais, je pouvais faire un truc plus simple pour les acheminer tous au même endroit. Alors, on va tous les acheminer ici. Ah oui, mais non. Donc, non, ça ne fonctionne pas, ça. Avant, ça fonctionnait, maintenant, non. Donc, voilà. Et là, on va... Ouais. J'hésite encore. Ouais, on va les faire partir de ce sens. Ah, mais au pire, je suis con. Je peux faire quand même quelque chose qui au final sera peut-être mieux. Peut-être mieux pour moi. Mais pour les araignées, moins bien. Bon. C'est pas grave, hein. De toute façon, on leur a pas demandé leur avis. Oh putain, je crois que je me suis trompé. J'aurais dû faire l'inverse. Ça, là. Attends, ça, là. Parce que là, ça va être ça qui va descendre. Et non, ça qui va monter. Et moi, je voudrais... Ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. Sauf que... Hop. Du coup, faut pas qu'elle aille là, faut qu'elle aille... Ici. Fou. Toujours pas. Faut qu'elle aille. Ah oui, donc en fait, et c'est moi j'ai compris. Donc bon bah je vais modifier ça. Bon bah attendez, je fais une ellipse tant que je le fasse et je reviens. Bon bah me revoilà, c'est bon, j'ai réussi à les acheminer les deux ici. C'est parfait. Avec un peu plus de mal pour ce spawner, hein, je dois vous avouer. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement même. Donc maintenant, on va les faire venir. Attendez, est-ce qu'il faut que je... On va les faire venir. C'est bon, ils viennent tous là normalement. Et
Maintenant, on va enlever les deux côtés, les deux torches. Dans les deux côtés. Je tiens à le dire. Ting. Ting. Et là, normalement, ils vont plus pouvoir remonter. Ah, quoique c'est des araignées. Oh, ouais, mais il y a de l'eau. Du coup, ils vont plus pouvoir. On va tester. Oh merde, j'arrive plus à remonter. Ah, là, par ici, si. C'était peut-être moi ou je sais pas. Bon, bah, du coup, notre double spawner va être exploité. Correctement. Et du coup, ben c'est cool parce qu'il y a très peu de maps. C'est très très rare hein, les double spawners, je tiens à le dire. Donc c'est cool que nous on puisse le faire. En espérant que les deux marchent en même temps. Bien sûr. Hop. Ici, on va mettre une mini tour. Parce que ça, si je l'oublie, je risque d'être dans le caquet. Par contre, toi, tu vas te... tu vas pas me faire chier. Hein. Allez, viens avec moi. Oh putain, je me fais gangbang. Littéralement. Sauf que moi, je saute, c'est pas vous. Ah si. Vous sautez aussi. Bon, maintenant faut arrêter ce spawn. Enfin, faut lancer ce spawner. Spawner risque d'être un peu plus compliqué. Alors, hop, une torche, deux torches. 3 torches, 4 torches, 5, 6, 7, 8, oh, et ça spawn. Ça spawn même bien, parce que vous voyez que... Hop, faut que j'achemine là-bas directement. Faudrait qu'il puisse passer. Oh non, vous allez pas me dire qu'il m'en faut un de 2 de hauteur. Enfin, 2 de largeur. Oh non. Non, ça passe. De ce côté-là, en tout cas, ça passe. Attendez, maintenant. Ouais, il faut que je remonte parce que sinon là, je suis dans la merde. Attends. Normalement la lève là. Oh putain. Ouh. Mais putain. Vraiment pas de chance. Mais normalement ils vont tous s'acheminer par ici. Toi tu vas rester là-dedans, ok. J'ai dit tu restes là. Et pour ceci, on va mettre un bloc là et un bloc là. Et sauf que là, par contre, s'ils peuvent remonter, ça va pas trop le faire. Hop, normalement là, ils vont plus pouvoir. Est-ce qu'ils peuvent encore? Non. Donc, normalement là, c'est parfait. Bon, bah voilà, donc du coup, notre double spawner est exploité. On va juste voir si ça spawn bien. Quand même. Et puis, bah... Aïe. Comment t'as fait pour passer? Ah oui, merde, ils font qu'un bloc. Aïe, aïe. Ah! Oh putain, je suis dans la merde.
Toi, tant que tu m'attaques pas, c'est bon. Voilà. Ouais, bah c'est bon, ils se mettent bien. Bon, bah maintenant on va, on se rejoint pour le prochain épisode, pour la suite du système où là on va les tuer une par une. Non, pas une par une, mais vous verrez. Bon allez, ciao, bye bye.